Bonjour à tous, Mylène Roussel d'Idéal Connaissance. J'ai le plaisir de recevoir Chloé Jaya, directrice de mission et associée au cabinet Calia Conseil. Le 7 juin prochain, on co-organise avec du coup, le cabinet Calia Conseil et l'Assemblée des communautés de France une journée dédiée à la transversalité des services environnementaux. Première question que j'ai envie de poser à Chloé, pourquoi du coup organiser une journée sur cette thématique-là ? Alors, les communautés deviennent les collectivités d'ancrage des services publics de l'eau potable, de l'assainissement, des déchets et de l'énergie. Les synergies techniques, elles existent, elles s'approfondissent depuis plusieurs années, mais désormais, c'est à vous d'organiser la mise en cohérence des politiques publiques. Ok, du coup, concrètement, comment va se passer cette mise en cohérence sur les territoires ? Alors, l'idée, c'est que le 7 juin, on puisse vous présenter des retours d'expérience concrets de ces mises en cohérence de politiques publiques. Sur l'exemple du financement, la facturation peut être mutualisée entre les déchets et l'eau potable. Ou une politique tarifaire peut être pensée de manière cohérente entre l'eau, les déchets et l'énergie. Super, merci Chloé. Du coup, on vous donne tous rendez-vous le 7 juin. N'hésitez pas à vous inscrire, vous avez le petit lien qui va s'afficher en bas de votre écran. Et on vous donne rendez-vous du coup le 7 juin. Au revoir.